Medline, comprendre le concept explode. Parlons d'abord d'arborescence, un concept qui vous est déjà familier. Par exemple, les différents dossiers sur votre ordinateur sont aussi classés selon le principe d'arborescence et organisés de façon hiérarchique afin d'en faciliter la localisation. Voici d'autres exemples d'arborescence. Les sujets dans Medline sont aussi classés de manière hiérarchique. Voici l'arborescence de base sous le terme MESH, Medical Informatics. Ce terme fait ici office de terme général et tous les termes qui se trouvent sous Medical Informatics sont des termes davantage spécifiques ou précis que celui-ci. Mettons en évidence une partie de l'arbre. La fonction Explore nous permet de rechercher un terme général et tous les termes plus spécifiques se trouvant sous celui-ci. Ainsi, en appliquant la fonction Explode sur le terme Computer Peripherals, les termes se trouvant sous ce dernier seront aussi cherchés donc Modems, or Computer Terminals, or Computer Storage Devices, et ainsi de suite. Retrouvons l'arborescence des meshes dans l'interface Medline. Si nous avions sélectionné seulement le terme Mesh Computer Peripherals, nous n'aurions trouvé que 242 articles. Par contre, si nous utilisons la fonction Explode, l'ensemble des articles contenant un ou plusieurs des termes ci-dessous seront trouvés par l'engin de recherche, ce qui nous amènerait à un résultat potentiel de plus de 700 articles. Ce nombre de références peut cependant vous sembler beaucoup trop élevé. Mais n'oubliez pas que vous allez peut-être combiner ce sujet avec un autre, limité aux articles publiés au cours des 3 dernières années ou aux articles en français. Ici, nous pouvons observer que la recherche effectuée précédemment, combinée à une recherche utilisant le terme MESH, Occupational Diseases, donne un résultat de 64 articles. En espérant que cette capsule vous a été utile, si vous avez de plus amples questions, n'hésitez pas à contacter le personnel de référence des bibliothèques.